Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On vient de fermer la porte à Ottawa, clairement. Votre réaction d'abord, M. Cadieux, ça a été confirmé en fin d'après-midi. Bien, en fait, c'est une information des services frontaliers canadiens hier soir. Ce sont les médias qui m'ont alerté vers 21h qu'une exemption était maintenue. Un communiqué et un document nous ont été fournis pour documenter. Yeah. Oui, hier soir, mais j'ai su ça à 21h. Ma réaction vers les médias a été approximativement à cette heure-là. Et pour apprendre ce matin au réveil qu'il n'en était pas question que Transport Canada maintenait le 15 janvier prochain. Alors, comment vous réagissez à ça, ce maintien à partir de samedi de l'obligation vaccinale pour les camionneurs? Bien, en fait, on avait quand même tenté de sensibiliser le gouvernement. Je pense que même Véronique et moi avons démontré qu'il y aurait des impacts importants sur l'économie, sur les échanges commerciaux. Notre industrie étant dans un, comme bien d'autres milieux, dans un moment de stress, n'avait pas besoin de confusion. C'est ce qui s'est passé et ça a créé évidemment un tumulte toute la journée aujourd'hui. Il y a combien de camionneurs qui ne sont pas adéquatement vaccinés? Écoutez, le gouvernement du Canada sort 5%, mais on a demandé d'où venaient les chiffres, on ne les a jamais eus. Combien? Le gouvernement du Canada parle de 5%. Nous estimons à peu près entre 10 et 15%. Okay. Nous sommes le miroir de la société en général, pas différent de ce qui se passe au Québec. Le Québec est quand même une province plus vaccinée, donc c'est peut-être cette chance, mais le reste du Canada, les chiffres ne sont pas les mêmes. OK. Quels seront les effets à prévoir, Mme Proulx, sur l'économie? Écoutez, les impacts seront énormes. J'aimerais dire que nous, on est frustrés, on est déçus de voir que le gouvernement fédéral est revenu sur sa décision. Il faut comprendre que le marché américain, c'est notre principal partenaire commercial. Alors, par camion, annuellement, on échange environ 450 milliards par année. C'est énorme. Alors, juste pour se donner un ordre de grandeur, à partir de samedi, bien, ce sont 4 camions sur 10 américains qui ne pourront plus rentrer au Canada parce que le taux de vaccination aux États-Unis est de 60 %. On peut s'attendre à ce que ce soit la même chose chez les camionneurs américains. Alors, 4 camions sur 10, c'est énorme. Ça va être énorme pour les manufacturiers, ce qui veut dire qu'il va y avoir des pertes économiques, des délais importants. Puis, ultimement, bien, ça sera refilé aux consommateurs, ce qui veut dire que l'augmentation de coûts va être refilée aux consommateurs. Et vous savez, c'est très difficile de trouver plusieurs produits sur les tablettes. Bien, ce sera encore plus difficile pour les Québécois d'accéder à certains produits, dont des biens essentiels. Mais en même temps, le gouvernement, Mme Proulx, a annoncé ça au mois de novembre. Comment se fait-il qu'on arrive aujourd'hui et qu'on soit étonné et qu'on entre dans des scénarios catastrophes? Écoutez, c'était la catastrophe depuis que ça a été annoncé. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'on échange sur le sujet avec le gouvernement fédéral. Il n'y avait aucune ouverture. C'était vraiment la ligne dure. Et hier, quand on a entendu cette annonce, bon, on s'est dit, bon, il y a une certaine ouverture. Ils comprennent que ça n'a pas de sens de mettre une barrière au commerce aussi importante, parce que c'est une barrière au commerce. Si les camionneurs canadiens sont vaccinés à 80-85 %, bien, c'est quand même un camion ou deux sur dix qui ne pourront pas traverser la frontière. Et encore une fois, là, on parle de produits agroalimentaires, de biens essentiels, des biens dans le secteur de la défense, ça va vraiment toucher tous les secteurs d'activité. Et c'est les manufacturiers qui sont pris au piège dans cette situation-là. C'est quoi les solutions à partir de maintenant, M. Cadieux? Bien, les solutions, c'est de tenter de faire ce qu'on pourra avec la main-d'œuvre que nous aurons. De jour en jour, j'apprends beaucoup plus d'absentéisme. On sait que le variant actuel rend peut-être pour les vaccinés moins malades. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup plus d'absentéisme en ce moment. Et je dois ajouter à la parole de Véronique que nous tentons, par notre demande de délai, d'avoir le plus haut taux de vaccination. On n'essaie pas de se soustraire à la vaccination. On sait que dans d'autres milieux, le gouvernement est obligé de reculer parce que la réalité était un mur. Alors, est-ce qu'il y a un enjeu parmi vos membres, parmi les camionneurs? Est-ce qu'il y a un enjeu avec la vaccination? Est-ce que vous sentez de la résistance parmi les camionneurs? Nous sommes le reflet de la société en général. Nous avons des gens qui sont carrément contre la vaccination, d'autres qui craignaient la vaccination. Et on sait que ce qu'on entend de la santé publique, qu'on est passé de 1 500 à 6 000 vaccins
de premiers vaccins par jour en ce moment à la santé publique. On est certain qu'on a un pourcentage de ces gens-là, mais il faut nous donner un peu de temps pour s'y rendre. Ouais. Et quand les autorités gouvernementales vous expliquent ou disent dans leur communiqué qu'ils nous ont informés au cours de la journée de la situation, au moment où je vous parle, ou en direct, il n'y a aucune autorité gouvernementale canadienne qui a communiqué avec nous. Nous sommes le Québec, la province voisine des États-Unis. Est-ce que, Mme Proulx, il est clair pour vous que la solution pour les manufacturiers, c'est d'augmenter les coûts pour les consommateurs? Non, c'est pas la solution, parce que même s'il y aura une augmentation de coûts nécessairement, parce que bon, les transporteurs ont moins de capacité, vont charger davantage aux manufacturiers, mais il va quand même y avoir un enjeu de capacité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs PME qui n'arriveront pas à trouver les camions dont ils ont besoin, soit pour exporter ou pour importer. Alors, nous aussi, on demandait un délai pour permettre un plus haut taux de vaccination, mais ultimement, ce qu'on demande au gouvernement fédéral, c'est d'avoir un plan. Quel est le plan pour les manufacturiers? OK, le délai, c'est jusqu'à quand? Ce serait quoi le bon délai, là? Dans un premier temps, on a demandé un 3 mois pour permettre de travailler avec les parties prenantes puis de voir comment est-ce qu'on peut hausser le taux de vaccination. Mais ultimement, on représente les manufacturiers, puis je réitère, il faut être pragmatique. On est pour la vaccination, puis on a contribué aux efforts de vaccination au Québec. Ouais. Mais ultimement, s'il reste un certain pourcentage qui ne sont pas vaccinés, ça ne fait aucun sens de prendre en piège les manufacturiers, éventuellement pour les consommateurs québécois. Alors, ça entre en vigueur, donc de toute évidence, à moins qu'il y ait un changement dans les 48 prochaines heures. Monsieur Cadieux, Mme Proulx, merci. Merci. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.